Bonjour tout le monde, cette vidéo va être très, très difficile pour moi. Je m'excuse déjà pas de bégayer ou de pas trouver les mots. J'espère que vous comprendrez que la situation est vraiment catastrophique. Il me tombe des drames sur la tête un petit peu tous les jours. Donc pour vous informer déjà, il y a quelques jours j'ai perdu mon grand frère. Et donc c'est très dur pour moi de vivre déjà ce moment difficile. Et aujourd'hui, j'ai été ban définitivement de la plateforme Twitch, ou en tout cas d'une manière indéterminée. Et donc j'ai une réponse quasi immédiate du président de Twitch France, de tous les partenaires, comme quoi il fallait que j'attende au minimum 6 mois avant de pouvoir envisager de faire un appel de la décision. Savoir que Twitch, je stream sur la plateforme depuis 2014, donc 6 ans, voire peut-être même un peu plus, et que je vis de Twitch depuis autant de temps. C'est mon revenu unique, c'est même pas mon revenu principal. Vraiment, YouTube, je gagne 150 euros avec le revenu des vues, etc. C'est vraiment dérisoire. Et bah, c'est très difficile parce que je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais essayer de rebondir, bien évidemment, mais voilà, c'était pour vous informer un peu de tout ça. Donc, bien évidemment, pendant cette période, ils mettent des ultimatums. Je n'ai pas le droit de streamer sur une autre plateforme ou ce genre de choses parce que ça pourrait alourdir la sanction. Et dans 6 mois, je ne sais même pas s'ils vont, je sais pas, modifier leur sanction ou un truc de ce genre. Donc, c'est vraiment, vraiment une catastrophe. Parce que je vivais de grâce à ça, je sais même pas comment je vais pouvoir avoir des revenus, je sais même pas quelle solution s'offre à moi. Totalement lever Twitch de ma tête, 6 ans de travail, de stream 5 jours sur 7, 6 à 8 heures de session de stream tous les jours où je streamais. Peut-être streamer sur YouTube, donc rebâtir une communauté, même si j'ai des abonnés, le stream c'est un autre exercice, c'est du live, etc. Pour pousser les gens à s'abonner et à faire des donations, c'est du contenu, etc. Et sur YouTube, c'est une toute autre plateforme. J'ai extrêmement peur, on va dire, de passer ce cap-là. Et même si je le fais, j'hésite parce que j'ai la sanction de Twitch derrière. Tout ce que j'ai bâti depuis vraiment 6 ans, c'est extrêmement dur pour moi aujourd'hui. Vraiment, j'ai pas les mots, je suis totalement désemparé. Je sais même pas comment j'arrive à faire cette vidéo, honnêtement. Et voilà, tout simplement. C'était juste pour vous informer un peu de la situation. Voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'en donner. Et voilà, peut-être que j'essaierai peut-être de booster YouTube, même si je pense jamais arriver à un niveau de revenu correct. Je sais pas. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile pour moi. Honnêtement, je sais pas quoi vous dire. Je me dis que je pourrais faire une vidéo par jour, des gameplays, des analyses, des expertises de vos vidéos, si vous avez besoin d'aide, des coachings, des tutos. Si vous êtes prêt à vous abonner, à faire des dons pour ce genre de contenu. Voilà, enfin, je suis vraiment dans une situation catastrophique et je sais pas quoi vous dire d'autre. Donc merci beaucoup à ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Si vous avez des conseils, n'hésitez surtout pas à m'en donner parce que là, je sais pas quoi faire. Merci beaucoup.